Bonjour à tous, c'est Eva. Aujourd'hui, j'ai reçu le Kickstarter, la première vague du 7e continent. Donc, j'ai hâte de l'ouvrir. C'est un jeu qui a eu un premier Kickstarter avec près de 12 000 contributeurs. Et là, lors d'une extension, ils ont fait un reprint. Et il doit y avoir 43 000, quelque chose, contributeurs. Ça a explosé au deuxième reprint. Et là, c'est la première vague, si on a pris en deux vagues. Donc pour l'instant, j'ai la boîte de base et puis quelques add-ons que j'ai pris. Il faut attendre pour avoir les extensions, mais pour l'instant, ils ont fait le reprint quand même de la base de base. Donc, on va ouvrir ça. La boîte, elle est super belle. C'est un jeu qui est d'aventure de 1 à 4 en coopératif, mais au départ, c'est surtout pour jouer en solo, je pense. Et c'est un petit peu inspiré des livres dont vous êtes le héros. Donc c'est fait par Serious Pulp. C'est deux personnes qui ont fait le jeu. Je ne sais pas si on a leur nom dessus, parce que je m'en souviens plus. Non, on ne voit pas. Est-ce qu'on l'a ici? Donc, donc pas en derrière, où est ton chat? Évidemment, elle est tout le temps en train de venir voir ce que c'est dès que j'ouvre quelque chose, un carton. Alors, ah oui, c'est Ludovic Roudy et Bruno Sauter. Les illustrations, c'est Ludovic, pardon, Rudy qui les a fait. Donc voilà, alors ça, le livre de règles, il y a pas mal de choses à apprendre. Mais il a l'air bien fait. Hop. Résumé là derrière. Ouais, il y a un système de sauvegarde de nos parties. Faut pas voir tout ça. Je verrai ça après. Alors, on a des petits standees ici. Des aides de jeu. Il y a quand même tout ça en action. Tour de jeu, conséquences d'action, ressources. Il y a pas mal de choses à intégrer. Donc je pense qu'il y en a 4 pour les 4 joueurs. Alors, ouais, je sais que ici il y a une défausse à construire qui va être pas mal. Ça a l'air d'être bien épais. Je pense qu'elle va tenir le choc. Et voilà, le cœur du jeu. Il y a un grand paquet de cartes, ce que j'en mets aussi là-dessous. Ouais, ça, en fait, ça doit être les intercalaires pour les séparer, les cartes, ça. Je pense qu'ils sont bien épais, hein. C'est du solide. Alors, ouais. Donc. On a des sabots là, des cartes, c'est pas mal fait. Ah oui, il y a une loupe pour voir le détail. Ça marche même via la cam. Ça c'est pas mal sur les cartes. On a des dés, les petits supports pour les standees, mais dans celle-là, on a ce print-là, on a des figurines, des personnages. C'est collé. Il y a
il y a un scotch ici pour le maintenir en place. C'est énorme le nombre de personnes qui a pris ce jeu. Les petits Français, ils ont fait un carton. On ne trouvera pas en magasin. C'est édité que par Kickstarter. Le coût, a priori, c'est trop risqué pour eux. Le coût de l'édition de ce genre de jeu. Donc, voyons voir de plus près mon petit perso. Ils sont rikiki, mais bon. On va prendre la loupe pour les détailler. Ça marche ou pas? Ouais, ils sont pas grands. Je ne sais pas, ça va pas être facile à peindre. Voilà. Bon, je peux pas tous les sortir, ils sont vraiment petits. Et puis ça, c'est quoi? Espèce de flamme. Ok. Bon. Le cœur du sujet, il est plutôt là. Dans ces paquets de cartes. Il y a combien de paquets de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est énorme. Je vais juste en défaire un pour voir un petit peu comment c'est. Je vais pas tous les défaire devant vous. Alors, les cartes, elles sont... centième carte. Elles sont bien illustrées, il y a plein d'informations dessus. Donc voilà, faut explorer et suivre une aventure en explorant. Pour lever une malédiction, si j'ai bien compris, il y a plusieurs malédictions. Franchement, c'est des belles cartes. Elles sont de super qualité. Ça m'étonne pas que la boîte soit si lourde du coup. On n'aurait pas des personnages quelque part là. À déballer. Allez, voilà, je pense que c'est ça, même pas. C'est même pas ça. Où est-ce qu'ils sont, ces petits persos? Ce serait bien de les trouver. Pas des persos, tout ça, c'est des actions, je pense.
cinquième continent. C'est bête ça. Est-ce qu'il serait pas là-dedans? Peut-être. Vraiment, ça promet de longueurs de jeu. J'ai hâte d'y jouer. Bon, tant pis, je vais pas avoir trouvé les persos. Ou alors ils sont avec les intercalaires, non? Compétences des persos, non, ils sont pas là. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer le reste que j'ai reçu. Hop. Alors, si on joue avec les petits standees pour ces persos, soit si. Avec ses miniatures, ses figurines. Les personnages. Deck d'exploration, deck d'aventure. Chaque joueur possède une main. Action. Il y a quatre personnages. En fait, les cartes qu'on a vues tout à l'heure, ça devait être un personnage avec ses compétences. Bon, voilà pour la boîte de base. C'est énorme le nombre de cartes qu'il y a là-dedans. Alors, j'avais pris aussi en option le carnet du cartographe. Et normalement, ça permet de faire ses sauvegardes. Bon, il y a moyen de télécharger aussi des PDF. C'était peut-être pas absolument nécessaire que je le prenne, mais bon. Je crois que j'ai un peu abusé sur ce Kickstarter en prenant tout. J'ai fait le all-in, donc il y a encore toutes les extensions à venir. J'ai pris aussi la map. Hop, je l'ai pliée dans une belle boîte. On va voir à quoi elle ressemble cette map. Hop. Vite, je vais tout tomber. Alors, elle est super grande. Merci le chat, tu peux t'enlever s'il te plaît? Non, 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 non.
Je sais que tu adores les déballages, mais je vais déballer, s'il te plaît. Hop. Alors, d'un côté en néoprène qui accroche sur la table. Et voilà. C'est une espèce de tissu sur le dessus. Voilà, et on va pouvoir installer son jeu, ses cartes Le Monde du 7e continent ici. Bon, je vois pourquoi c'est devenu tout noir chez moi. Il y a un gros orage qui est là, il pleut des cordes. Donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris l'idée. Je ne l'ai trouvé pas très jolie. Finalement, je les ai quand même pris. C'était surtout pour avoir le sac qui est dedans. Voilà. Et du coup, on a des idées qui sont un peu designées. Creuser la place des dés normaux. Hop. Ils sont pas top top top. Ils roulent. Je sais pas, ils ont l'air complètement déformés. Même quand je les voyais sur le Kickstarter, c'est pas eux qui m'ont attiré, c'est plutôt le sac. Et puis, ben, en fait, j'ai pris les sleeves pour protéger les cartes. Et je m'attendais pas du tout à recevoir ça. C'est une énorme boîte de sleeves. Et on voit 1400 cartes à sleever. Plus ces paquets-là pour sleever toutes les cartes. Des extensions à venir aussi, donc ils vont tout envoyer là maintenant. Voilà, donc ben peut-être que une fois que j'aurai tout rangé cette boîte, je vous montrerai peut-être plus en détail les cartes dans une prochaine vidéo. Mais là, c'était le déballage. À bientôt.